Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on s'est quitté mercredi dernier, on vous avait fait une petite surprise. On est arrivé dans une entreprise en Normandie et je vais vous en faire la présentation. Ça nous tenait vraiment à cœur de vous les présenter et voilà où on est en fait. Nous sommes à l'entreprise Truc en bois, donc ils fabriquent des petits joues en bois. Nous on a déjà pris 3 caisses, vous savez les petits adorent jouer avec ça. Vous voyez, ce sont les petits joues en bois comme ça, on vous montrera tout ça en détail tout à l'heure. Mais avant tout, on va aller rejoindre Thomas qui est en train de remettre en route un petit peu les machines pour nous faire voir comment ça fonctionne, parce que normalement l'entreprise est en vacances. Donc ils vont remettre les bécanes en route juste pour nous, pour vous faire voir comment sont fabriqués ces petits jouets en bois. Donc si vous avez des enfants, mettez-les devant le canapé et on va regarder ça et vous allez voir comment sont fabriqués ces petits jouets. Bon et bien voilà, je suis avec Thomas. Bonjour Jérémy. Et bonjour à tous. Il va nous présenter un peu son entreprise et pourquoi il a l'idée de faire ces petits jeux de construction. Alors Truc en bois, à l'origine, c'est né grâce à ma fille pour qui je faisais des jeux en bois. Alors je lui rabotais des bûchettes parce que Truc en bois, c'est pas mon activité principale. J'ai une activité de menuiserie charpente. Donc ce sont les mêmes machines, c'est ce qui a facilité les choses. Et donc je lui faisais des bûchettes. Et dans nos usinages, on a la fameuse rainure que vous allez voir tout à l'heure sur les pièces. Et on était ce jour-là, en buvant le café, en train de faire des rainures. Et on s'est rendu compte que nos bûchettes, que je venais de raboter une heure avant, allaient dans les rainures. Ah oui, et à partir de là, j'ai élaboré des nouvelles pièces. Donc on a des carrés, des triangles, des octogones, enfin voilà, toutes sortes de pièces. Et je dirais c'est là que les... Pourquoi des emboîtements et pas juste des petits trucs que t'empiles en fait? Ben ça existait déjà. Ah, alors faire la même chose s'il n'y avait pas d'intérêt. Voilà. Tu voulais vraiment aussi créer des constructions. Oui, et puis j'avais même pas envie au départ. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Je me suis vite rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose qui allait intéresser vraiment les enfants. Les instits, les ludothèques, enfin on est présent dans plein d'endroits différents. Aussi pour faire de la rééducation, j'ai entendu. Oui, on est présent chez beaucoup d'ergothérapeutes, ouais. De centres de rééducation, mais principalement quand même chez les enfants. Ouais, voilà. Principalement, c'est les enfants. Hein. Voilà. Alors on va voir le cheminement avec Thomas, il va tout nous expliquer du début du jeu en bois jusqu'à la fin. Voilà comment on reçoit nos plateaux de bois. Donc le bois, c'est du hêtre. En différentes épaisseurs, mais on reçoit des plateaux comme ça qui arrivent directement d'une scierie qui elle-même est, alors c'est une scierie qui est bien évidemment classée SFS, donc c'est qui s'approvisionnent dans des forêts qui sont gérées, donc ce qui est coupé c'est replanté, on est vraiment dans de la récolte de bois. Voilà. C'est pas de la déforestation. Absolument pas. Absolument pas. En France, de toute façon, on a des forêts. On a absolument. Il vient de la région de la Mayenne. Donc là, on est dans le Calvados. Pas très loin de chez nous, hein. On est à, la Syrie est à une centaine de kilomètres environ, ouais. Et le bois est tout proche de la Syrie. Donc là, on peut vraiment dire français à 100%. 100% français. Le bois vient de France, c'est découpé ici, vous allez voir comment c'est fait. Et tout à l'heure, on verra les cartons, et les cartons sont fabriqués au Mans. Et les cartons sont fabriqués au Mans, c'est nickel. Voilà. Pourquoi du hêtre? Alors le hêtre, ça a surtout une principale qualité, c'est la résistance mécanique. Ouais. C'est un bois qui est dense, dur. Ouais. L'inconvénient, c'est qu'il est un petit peu lourd. Donc nous, comme on envoie beaucoup nos jeux par la poste, ça fait du poids dans les cartons. Mais par contre, mécaniquement, il est hyper résistant. Il va bien durer dans le temps aussi. Oui, alors il ne résiste pas, c'est pas un bois qu'on utilise à l'extérieur d'une maison. Il ne résistait pas aux attaques des champignons ou des choses comme ça. C'est vraiment un bois, nous on l'utilise aussi pour faire des escaliers, mais c'est des pièces qui sont à l'intérieur. Voilà. On ne joue pas sous l'eau avec, on laisse pas se traîner. On a choisi le hêtre parce que sur les engrenages, où on voit qu'il y a 4 rainures, des fois il y a 6 rainures, en fait on affaiblit beaucoup la pièce et il n'y a bien guère que le hêtre qui est capable de résister à une pression qu'on pourrait faire avec la bûchette. Alors tu nous expliques comment ça fonctionne? Donc ça commence ici dans cette machine assez sophistiquée. Oui voilà, alors ça c'est une raboteuse 4 faces, c'est une corroyeuse exactement, qui va avoir la particularité de dégauchir le bois, c'est-à-dire la face du dessous, dégauchir le dessous, le champ, raboter la largeur, donc là pour les bûchettes 27 mm, et l'épaisseur. Et là on rentre un bois brut comme celui-ci, avec une surcote, hein, donc on est, on est plus large et plus épais. On le positionne sur la machine, et là où il y a les lasers, on sait que c'est là que vont passer les outils. Et ça nous permet de savoir exactement si la pièce de bois qu'on va entrer dans la machine va ressortir propre ou pas propre. Ça fait vraiment les quatre phases d'un coup, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. On gagne un temps phénoménal. Là, on voit qu'on avance à 12 mètres minutes. Hein, ce n'est pas une avance extraordinaire. Il y a des machines qui vont beaucoup, beaucoup plus vite. Mais nous, l'avantage, c'est que ça avance doucement et qu'on a un état de surface qui est quasi parfait. Donc, il y a des entraîneurs à l'intérieur. Elles passent donc sur quatre outils différents avant de ressortir et de tomber directement sur notre palette qui met les lattes en tas. Parce qu'ils sont déjà coupés. Là, celles-ci sont déjà coupées. Voilà. Mais en fait, voilà ce que ça donne. Donc, on part avec cette pièce-là, qui n'est pas rabotée, et on arrive avec celle-ci, qui est rabotée. On passe à la suite? Ouais. Allez. C'est parti. Là, on a fait les rainures tout à l'heure, ici, sur ces pièces, avec le petit chanfrein qu'il y a juste à l'entrée, qu'on voit, qui est juste là. Et maintenant, on va faire le gros chanfrein, ce plat ici, on va faire avec cet outil. Donc ça, c'est un outil multiplate, et on le règle à l'angle que l'on veut. Donc ça, c'est la toupie. Ça tourne à 6000 tours par minute. Donc c'est très, très, très rapide. Et il faut que ça tourne très vite pour couper. On va voir tout à l'heure les cocos qui vont s'évacuer par derrière et qui sont aspirés et qui vont se retrouver dans notre gros chaudron. On ira voir ça tout à l'heure. Voilà, on est en train de faire un reportage sur une entreprise et Charlotte, elle nous dérange avec des pancakes. Ouais, mais elle nous dérange pour quelque chose. Bon, bah du coup, on prend une pause. Hein. Léo, t'es venu au bon moment. Pancake pour tout le monde. Pancake. 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 Hein? J'arrive pas. C'est bon, merci. Voilà, on arrive dans cette machine à battre le blé. C'est bon. Donc ça sert à... Donc ça, c'est de la granule de verre. Donc l'intérêt, c'est que toutes ces échardes qu'on a créées au moment de la coupe sont complètement neutralisées et poncées par le malaxage de 300-400 pièces, 300-400 engrenages comme celui-ci. Ouais. Et là, on a un état de surface qui devient... Il y avait quoi d'autre comme solution pour enlever les écharpes? Le ponçage, mais c'est hyper fastidieux, c'est irréalisable. Là, il vous faut combien de temps pour faire combien de pièces là? Là, en moins de 5 minutes, on va faire 400 pièces. Voilà comment on a la pièce une fois qu'elle est passée à la scie. Voilà la pièce une fois qu'elle est passée dans le tonneau. Et ça évite aux petits-enfants de se rentrer ça dans les doigts. De toute façon, c'est pas vendable. Non, c'est pas vendable, comme ça. Ok. On se rend pas compte, en fait. Moi, c'est ce qui m'a un peu surpris. Je me dis, c'est simple, c'est juste une petite pièce en bois avec un petit truc à emboîter dedans. Voilà, c'est des petites choses pour jouer et tout, mais on se rend pas compte le boulot qu'il y a derrière, l'essence de bois qu'il faut trouver. Justement, il faut penser aux petites écharnes, il faut pas que ce soit irrégulier, il faut que ça tienne dans le temps. Et en fait, ces petits jeux qui paraissent hyper simples, au final, demandent beaucoup de complexité, quoi, si bien dans la fabrication que dans le contrôle qualité, quoi. Oui. Et ça, on se rend pas compte. J'espère que les gens aussi vont pouvoir se rendre compte derrière. J'espère, hein, c'est l'occasion aujourd'hui, grâce à Jérémy et Charlotte, de vous faire découvrir un petit peu. La complexité, c'est pas tout à fait, c'est pas vraiment complexe, mais ça demande de la rigueur. Voilà, ouais, ça demande, c'est plus de la rigueur que de la complexité. Tous ces assemblages sont des assemblages simples pour un menuisier. La seule chose, c'est que on a besoin de beaucoup plus de précision que pour de la menuiserie en fait. Nous valorisons tous nos déchets. Les copeaux qui sont produits par le rabotage de la corroyeuse 4 faces notamment, sont envoyés directement dans l'aspiration et ça tombe dans un chaudron, dans une presse à briquettes, et on voit les briques rondes que l'on sort, hein, d'un diamètre de 60 mm, et nous ça nous permet de nous chauffer. Alors on chauffe l'atelier l'hiver et on chauffe aussi facilement trois familles qui chauffent au bois, dont moi. On se chauffe avec ces résidus. C'est du gros granulé en fait. Ouais, c'est du gros pelé. Un gros pelé, ouais. Un gros pelé de 60 mm de diamètre. et c'est hyper calorifique ouais. Et par contre, bon, ça ne tient pas très longtemps, ouais. Mais ça nous permet de valoriser et d'utiliser ces copeaux jusqu'au bout. Donc aucune perte. Même le petit bout d'écorce qu'on a vu sur les planches brutes. Il passe aussi dans la chaudière qu'on a ici, dans le poêle à copeaux qu'on a ici. Ah, vous avez un poêle à copeaux. Et à chute de bois. Donc, toutes les chutes de bois, c'est pareil, ça passe. Absolument. Vous ne les rebroyez pas, vous les brûlez directement. On les brûle directement. En tout cas, moi je suis super content d'avoir regardé toute la fabrication et merci de nous avoir allumé les machines. Ben non, c'est normal. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ils sont en vacances. Ils ont quand même allumé. Mais c'est un plaisir, c'est franchement un plaisir. Que c'est un truc que vous aimez et que vous avez envie de... Oui, je pense que moi je me considère comme un passionné. Ouais, voilà, ça se voit que c'est un travail de passionné. Voilà, et maintenant on va aller voir les boîtes. Alors là on est dans la petite pièce où ils emballent, où il y a les cartons, les boîtes en bois. Et on va attendre Lisa qui va arriver, c'est la filleule de Thomas, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qui adore emballer les petites bûchettes et tout ce qui va avec, et elle va vous montrer en fait comment ça se passe. Donc là on est sur du carton français, tu disais. Ah oui, alors là la boîte est fabriquée au Mans. D'accord. Okay. Sérigraphiée aussi au Mans, et le designer qui nous a fait notre logo et la boîte est de Caen, donc voilà, on consomme local. Pour remplir la boîte, on commence avec les grandes, donc on met les 30 grandes dedans. Ensuite, on met les moyennes, les petites, les 4 carrés, les 4 demi-octogones, les 4 octogones, les 4 triangles, et les 4 encres, le prospectus et le livret. On va refaire, mais on va la mettre là-bas. Il y a les 2 fleurs, la palette 2 fleurs et 3 fleurs, et là il y a les plus plus. Et après, on en refait. Voilà, donc là on est dans la dernière partie, on a vu avec Lisa. Merci à toi Lisa de nous avoir montré comment tu faisais pour faire tes petits cartons, les petites boîtes et tout. Et voilà, donc j'ai bien compris, Lisa m'expliquait, là c'est les 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs et les big bubble box. Les plus plus. Les plus plus, voilà c'est ça. Les plus plus, c'est des boîtes en contreplaqué français qui sont aussi fabriquées ici. Il y a un peu plus que 3 boîtes. Il y a un peu plus que nous, on a ça, je crois. Vous avez largement ça, mais normalement la 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, c'est un petit peu moins que ce qu'il y aura dans la boîte plus plus. C'est ce que ça représente, hein, parce qu'on n'avait pas la place, on t'avait dit non pour la boîte en contreplaqué. Du coup, on a mis ça dans une grosse boîte en plastique dégueulasse qui tient pas. Et ça représente quasiment ça. C'est pas évident à ranger. Il y a un petit peu de place encore dedans parce que nous, on les met un petit peu, on les met à peu près bien rangés. Vous avez vu, Lisa, hein, elle fait ses petits tas et elle met ça bien dedans. Bien là, parce que Charlotte, elle est derrière et tout, depuis tout à l'heure. Et ça t'a fait quoi de voir la construction des jeux? Bah, c'est vrai, c'est toujours impressionnant de voir d'aller directement dans l'entreprise pour voir justement comment c'est fabriqué. Et en fait, on n'a pas l'impression qu'il faut autant de machines, autant de grosses machines pour faire des petits bouts. C'est vrai, de faire des petits bouts et tout. Et, même moi, je disais complexité, hein. Il m'a dit non, c'est vachement de rigueur. Oui, il y a aussi, ouais. Ouais, c'est pas complexe, c'est plutôt rigoureux. Ça demande un peu de rigueur quand même. Ouais. Et du coup, c'est vrai que les petits regardent, ils étaient hyper contents de voir justement comment ils étaient fabriqués leurs trucs en bois. Du début jusqu'à la fin. C'est assez marrant de voir tout ça, c'est impressionnant. Pour nous, c'est vachement agréable et pour moi, en l'occurrence, de faire découvrir comment on fabrique parce que j'ai bien senti les enfants étaient accrochés vachement, surtout pour Théo tout à l'heure, autour de la machine, pour voir comment on réglait les machines, ce qu'on faisait avec et tout ça. Et ça, c'est vachement agréable. Et puis aujourd'hui, quand il va croiser des petits copains et puis leur montrer qu'il a des trucs en bois, il va dire « et en plus, je sais comment c'est fabriqué ». Voilà. Encore une fois, hein, quand on est passionné, normalement, voilà, on aime montrer ce qu'on fait. Quoi. C'est ça, exactement. C'est trop bien. Bon, en tout cas, merci bien toi de nous avoir merci à vous, merci à vous. Pendant les vacances. Ouais, ça c'est. Parce qu'il est en vacances, comme je disais tout à l'heure. Et d'un côté, c'est pas plus mal comme ça. Ouais, au moins on a pu privilégier qu'entre guillemets. Ouais. Oui, parce que en temps normal, dans l'atelier, il y a un peu effervescence quand même. Donc le monde, le bruit. Oui. C'est cool. Est-ce que le code promo fonctionne toujours pour les trucs en bois? Le code promo fonctionne toujours, évidemment, et donc toujours en mettant vadrouilleurs. Vous mettez vadrouilleurs et c'est quoi? C'est combien? Je crois qu'il y avait... Oui, 10% et la livraison gratuite. Ça fait partie de l'un de nos meilleurs codes promo de nos partenaires. Parce qu'on est partenaire, vous le savez, depuis le temps. C'est une super réduction pour vous. Et maintenant, grâce à cette vidéo, vous savez que c'est bien fait en France, comment c'est construit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et maintenant, avec cette vidéo, les jeux de construction seront vus différemment sur tous les trucs en bois. Truc en bois n'a plus de secret pour vous. Voilà, truc en bois n'a plus de secret et vous allez jouer maintenant différemment parce que vous les avez vus passer dans les machines, vous avez vu que ça a été fait avec amour et ça change des jouets, voilà, ça change des jouets en plastique. Là, c'est naturel, c'est du bois et en plus, il est non traité. On a peut-être oublié de le dire, mais il est non traité. Aucun produit de traitement. Ils peuvent les mettre comme ça dans la bouche. Et tous les enfants, comme ils ont toujours tendance à mettre à la bouche, et ben là vous pouvez mettre 100. Ouais, mais on a dit que c'était pas joué pour aller dehors, donc s'y mettre. C'était pas fait pour aller dehors, et c'est surtout pour les enfants à partir de 3 ans. Voilà, à partir de 3 ans. C'est pas non plus fait pour les bébés, mais s'ils mettent dans la bouche, c'est pas grave. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, des commentaires, voilà, parlez-en un petit peu autour de vous. Et comme je trouve pas le mot de la fin, je vais laisser à Thomas. Oh eh bien, ouais, voilà, nous on a été ravis d'accueillir les vadrouilleurs dans l'atelier, ça a été une expérience formidable. Ils vont reprendre la route cet après-midi, ça va nous faire un petit vide dans la cour parce que leur camion... Le camion prend de la place et puis paf, d'un seul coup, ils vont plus être là. Bon, c'est comme ça, on les suivra sur le live et tout ça, on continuera évidemment à les suivre. Quand je dis on, c'est pas, je parle pas de moi à la troisième personne, c'est toute mon équipe parce que vous les avez pas vus, mais c'est Lisa aussi, c'est ses parents, c'est tout ça. C'est tous les gens qui m'entourent et qui suivent les vadrouilleurs et qui font truc en bois avec passion. Voilà, pour le mot de la fin, je sais pas si ça va. J'aurais pas fait mieux. Ouais, voilà. Sur ce, à bientôt. Et on s'en va casser la croûte. Allez, on va manger, on va prendre plein de kilos. Bisous, ciao, bye bye. J'ai oublié Thomas, je confonds avec Arnaud. Thomas, ouais. Thomas vu tête de mort, tu penses à ça.